Bonjour, je m'appelle Laurent Hénoc, je suis fondateur d'une société qui s'appelle Kix, qui valorise une solution de confiance dans les données unique par notamment des composants qui peuvent être déployés dans les entreprises et des applications les plus importantes aujourd'hui étant un chat d'entreprise ultra sécurisé qui est concurrent de Slack, de Facebook for Work, etc. Mais qui respecte les droits des données des utilisateurs, c'est important. Et une application de photographie qui permet d'obtenir une preuve photo avec un smartphone juste en prenant la photo sur la blockchain. C'est un outil important et qui est différent de l'existant, déjà parce qu'il porte des valeurs éthiques très très fortes dans la réappropriation des données par les utilisateurs, puisque c'est un outil qui est non SaaS, qui laisse les données localement sur la machine et qui donc évite ce que font la plupart des applications que les gens ont l'habitude d'utiliser, qui est de créer des silos de données dont on perd l'accès, dont on ne peut pas forcément extraire facilement les données, qui ne sont pas interopérables. Et nous, la solution KIX de chat, par exemple, est une solution qui est ultimement compatible avec les exigences des CNIL et les exigences européennes de la DGRP dans le cadre qui les concerne. Donc, on est en avance de phase sur un vrai besoin de confidentialité des données. Alors la blockchain, c'est un outil qui est très très facile à déployer techniquement par des API. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser une blockchain pour obtenir une preuve d'existence à une date donnée d'une information que l'on garde pour soi. On ne révèle rien, on ne stocke pas d'informations sur la blockchain. Donc il n'y a absolument aucun risque inhérent à l'utilisation de la blockchain. Il n'y a plutôt que des avantages. Aujourd'hui, il y a assez d'opérateurs d'API pour pouvoir faire son marché. Par contre, il y a quelque chose d'important à signaler, c'est que beaucoup de blockchains n'en sont pas forcément vraiment quand elles sont sous contrôle. Le concept fondateur de la blockchain de Bitcoin, c'est qu'elle soit complètement immune à toute intervention extérieure. Aujourd'hui, c'est la seule qui présente ces propriétés-là. Le frein moral a beaucoup régressé depuis qu'on parle de blockchain, puisque pendant plusieurs années, les journalistes n'ont su parler de Bitcoin que comme un outil pour les trafiquants de drogue et d'armes, ce qui était complètement délirant. Donc la blockchain a permis, avec ce glissement sémantique, de permettre de reparler de quelque chose et de permettre aux banquiers, aux assureurs, etc., de s'investir dedans. Alors la question du droit à l'oubli est pertinente, en partie parce que ce qu'on met sur la blockchain en tant que données pour obtenir une preuve de date ou une notarisation, c'est ce qu'on appelle un hash, et c'est une donnée qui n'est pas inversible, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas de faire le lien avec les données qui ont été sécurisées de cette manière-là. Mais on ne peut pas imaginer de revenir en arrière sur une blockchain, et dans le cas de Bitcoin notamment, ce que les gens ne comprennent pas toujours, c'est que même si les mineurs arrêtaient de miner Bitcoin dans un futur quelconque, il serait encore impossible de réécrire l'histoire de Bitcoin, il serait encore plus impossible de la réécrire, tout simplement parce que les calculs à réaliser pour réécrire cette histoire seraient inaccessibles. Hein, donc on est vraiment devant un outil qui fabrique un livre de compte ouvert à l'humanité et qui est totalement inviolable.